Et je m'enroule une, hein, c'est pour la route. Parce qu'on va faire de la route aujourd'hui. Oui, beaucoup de route. On est bien là, hein. Fait un petit peu froid. Bah oui, c'est la vallée. Hein. Je vous emmène à Volnavée aujourd'hui. Oui, là où il y a la fameuse start-up de Dédé et Michel. On va peut-être leur faire un petit coucou si on a l'occasion, sur le parcours. Et on va découvrir donc ce jeu. Snow Runner. AK, les convois de l'impossible chez toi. Et donc aujourd'hui, on a une mission, on doit trouver une tour de guet, ensuite on doit trouver un camion, et ensuite il faudra qu'on atteigne un garage. Vous venez vraiment avec moi? Je sais pas si vous n'êtes pas déjà en train de regretter, on y va. Lâcher le frein à main pour démarrer et avancer, c'était une bonne option. Alors voilà mon engin, je commence avec mon 4x4. Oui, parce que j'ai deux amours dans ma vie, et ça j'en ai jamais parlé non plus dans mon passif. J'ai Lucie. Ah, Lucie et ses gros... Aff, Lucie quoi! Et j'ai mon 4x4, j'adore mon 4x4. Je fais tout en 4x4. Quand je vais au cinéma, j'y vais en 4x4. Quand je vais faire les courses, j'y vais en 4x4. Quand je vais au boulot, j'y vais en 4x4. Quand je vais du salon à la salle de bain, j'y vais en 4x4. J'aime mon 4x4. On y va. Allez. On va faire un petit démarrage. Vue intérieure ou vue extérieure? Oh, vous allez vomir, restez derrière. Comme ça, vous vomirez hors de la voiture. J'ai pas envie que vous me salissiez mon 4x4. On y va. Il faut bien enlever le frein à main. Alors, le jeu est très très marrant parce que bah, du coup, c'est du trial. Oui, c'est du trial en véhicule. Alors, moi, j'avais l'habitude du trial à moto qui est assez spectaculaire. Et le trial véhicule, je dois avouer que je suis assez dubitatif. Alors, quand vous êtes vraiment dans la merde, vous pouvez changer votre répartition. Ah oui, là, je suis vraiment dans la merde, je vais changer ma répartition, c'est clair. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Ok, alors j'ai quoi? Un 5 auto. C'est quoi ça? Basse. Arrière. L'autre. Ok. Faire basse. Quel succès! Non, mais ça va pas le faire, c'est pas basse qu'il faut que je prenne. On va répartir un petit peu, ça sera mieux s'il y a toutes les roues qui tournent, non. Alors, il y a un truc que je suis pas arrivé à. Non, non, non. Left. Hold, left button. Ah, ça y est, je me mélange dans les commandes déjà, ça commence. Mais. Oh! Ok, on va pas y arriver aujourd'hui, je pense qu'on va pas y arriver, ce jeu est beaucoup trop complexe pour moi. Regardez comme je suis paniqué dans mon 4x4. Mais c'est ce que j'essaye de faire, espèce de tête de... Ok, on va se treuiller, je suis dans la... Bah ouais, c'est échec. Échec. On va s'arrimer ce côté. Ouais, ça va le faire. Cloque. Et on va se l'arrimer plutôt bah, sur quelque chose de solide. Hein. L'arbre, on va éviter. Lui, il a l'air bien comme candidat. Et on y va. Moi ça, la puissance du treuil. La fée électricité à ma rescousse. Hop, 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 c'est bon. Hop, 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 rends-moi mon treuil. Ce qui est bien, c'est que vous remarquerez que je suis vraiment un gros connard de ricain parce que je descends jamais de ma voiture en fait. Non, ma voiture, je vous l'ai dit, j'ai deux amours, Lucille et mon 4x4. Je fais tout avec. Enfin tout. Ouais, je fais vraiment tout. Alors, je vais vous donner un truc de vieux là. Les ornières, on évite. Une roue dans l'ornière pour se guider, et puis sur le côté ça passe bien. Parce que si vous prenez les deux ornières à chaque fois, c'est vraiment gras. Ouais, non mais je vous ai dit, j'ai été pilote. Alors on dit pas pilote, oui, bon, j'ai été livreur, d'accord. Mais c'est un peu pareil quand même. Alors il y a un point d'intérêt là-bas. Une tour de guet. Je vais regarder ma carte. Où je vais, ce serait bien, non? Mais une tour de guet, si on regarde bien, j'en ai une à côté, les gars. Non? Ça ressemble à une tour de guet, ça. Oh, je vais faire mon connard, tiens. Bah oui, je suis livreur, hein. Je peux pas avoir un gros QI, de toute façon.
Ouh, c'était méchant, et pourtant tellement réaliste. Alors, c'est rigolo parce qu'ils ont simulé le gras, mais du coup, même quand on est sur du goudron, c'est gras, quoi. Et gras. Genre, même de la cochonnerie, ça vous semble light en comparé. Hop, 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 ça se tente, ça. Alors mec, je t'explique, t'as un 4x4, si tu t'actives pas le 4x4 là, parce que c'est toujours pas activé X, voilà, ça va aller mieux. Bah t'avanceras jamais, dude. Alors ce qui est rigolo, c'est que la musique est toute calme, parce qu'effectivement, vos trajets, les fans de Need for Speed auront compris, non, pas aujourd'hui, pas ici. Non, 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 bah regardez, aussi. C'est un peu étroit ça. Je contrôle. Regardez-le comme il s'agite à l'intérieur, c'est mignon. Hop, 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 à droite, à droite, à droite, à gauche, à gauche, à gauche. Ah, je t'ai bien eu. Hein. Non, moi je conduis pas comme ça, il faut mettre des petits coups de volant. Et je vous expliquerai plus tard, quand j'aurai déverrouillé le Bigfoot. Bah oui, c'est important qu'il y ait un Bigfoot dans ce jeu-là. Si ce jeu-là, l'achievement, un des achievements les plus élevés, c'est pas un Monster Truck, c'était pas la peine de faire ce jeu, quoi, les gars. Je sais pas du tout où je vais, mais j'y vais. Attention les caillasses. Hop, hop. Non, te fous pas dans le fossé pour autant. C'est pas la meilleure idée du jour. Alors, je pense que le stream aujourd'hui va être très long, parce que vu la vitesse où ça se déroule... Non, j'ai klaxonné. Oui, bah, c'est le bonheur, ça. Un bonheur n'arrive jamais seul. Je vais faire arriver avec dérapage au frein à main. C'est pas la peine, il y a plein de boue. Hey! Vous voyez les gars, tout ce coin, il est à moi. Et maintenant, je sais tout ce qu'il y a sur la map. Je pense que c'est crédible. Eh oui, 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 ça m'a dégagé un bout de map. On voit que là, on a le bout du jeu. Oh, comme ça balance. On a des éoliennes que je pourrais aller polluer avec mon gros diesel. Mais je vais me contenter de polluer cette zone-là, ça a l'air plus sympa. Trouver la tour de guet. Donc c'était bien pas celle-là. Ma tour de guet que je cherche, moi, elle doit être super loin du coup. Ah bah oui. Elle est plutôt par là. On peut pas se mettre un repère. Ouais, on va dire que c'est un repère. Allez, on y va à fond. Je dois aller où, moi? En face, je crois. Ouais, je sens. Peut-être. Maybe. Possibly. Ce qui est bien, c'est que j'ai pas regardé au carrefour parce qu'il n'y a pas trop de circulation. Eh ben oui, il faut savoir que dans la vallée de Volnavé, qui veut dire vallée du navire, hein, c'est pas très dur à décoder. Volnavia, quoi. C'est une vallée glaciaire qui a été formée donc par la fonte d'un gros glaçon. Oui, un glacier. Je vais vous éduquer vu qu'on a le temps. Hein. Et elle se situe entre Grenoble et Vizille. Vizille, ce haut lieu de la révolution, que d'ailleurs à chaque fois les présentateurs sur les journaux télé nationaux appellent Vizille, parce qu'il y a deux L. Ils se font niquer, quoi. Et donc Volnavé se situe pile entre les deux. Et je crois qu'on y va là. Et on va peut-être tomber sur des dés, Michel, allez savoir. Alors je rappelle pour ceux qui suivent pas The Big Game Husky, ce qui est une erreur. Il y a un bouton d'abonnement, les gars, en profitez. Un jour je vais l'enlever. Hein. Non, je déconne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Dédé et Michel sont deux intervenants spéciaux de The Big Game Husky qui nous narrent souvent des reviews de shmup qu'ils ont programmé eux-mêmes et qui sont typés, on va dire. Hein. Ouais, typés, c'est le mot. Mais pas typés. D'ailleurs, il y a un typique The Big Game Husky, hein, vous pouvez typer, mais ça, c'est un autre mot. Et, vu que vous êtes des pinces, je vais peut-être pas trop en parler parce qu'apparemment, ça marche pas trop. Mais il marche bien, mon véhicule, qu'est-ce que tu me racontes? Et le garage, c'est ma troisième mission, je crois, si je dis pas de grosses conneries. Et donc, vous pouvez reconnaître. On est à Volnavé le bas, il y a l'ancienne Siri. Oui, Siri, je t'aime. Siri, je t'adore. N'empêche que du coup, j'ai raté ma tour de guet. Qui est juste au-dessus, en fait. Ok. On va y aller. Et donc je disais, oui, Volnavé le bas, bah, on y reviendra de toute façon. Je crois qu'ils sont pas là, Dédé Michel, aujourd'hui. Et du coup, c'est toujours un plaisir quand même de vous présenter ces jeux avec Dédé Michel. Puisque
sur un truc qui est pas super intéressant, arrive à sortir quand même une chronique qui est à peu près sympa. Oh, regardez-moi ce beau camion. Et qui c'est que je vois là-bas en train de faire le barbecue? Dédé? Oh, monsieur, tiens, qu'est-ce que tu fous là? Bah, je m'attendais pas à devoir dans ce jeu. Ah bah si, c'est là qu'on habite, t'as vu ma caravane? Bah dis donc, c'est chouette chez toi, dis donc. C'est aménagé, mais t'as toutes ces caravanes pour toi tout seul. Bah ouais, ça c'est mes femmes et mes animaux. Parce que j'avais pas de grange pour mettre les animaux. Alors ça, c'est ce que tu vois à droite, là, c'est ça où je mets les lapins. Ah ouais, moderne. Ça te dirait, je te fais faire un petit tour avec le camion? Bah, pourquoi pas. Tu roules doucement quand même, hein, parce que j'ai pas envie d'être malade. Tu montes avec moi, on va à la tour de guet? Ouais, je sais pas, j'aime pas trop les guets par chez moi. Hein. Mais à la tour de guet? Ah, bah c'est ça que tu dis, j'avais confondu. Ouais. Bah oui, parce que nous, on en a pas beaucoup par chez nous. Bah, on se méfie, quoi, on écoute ce qu'ils nous disent à la télé, ils paraient que c'est dangereux. Ils ont contaminé tout le monde avec le guénardovirus, là, j'y comprends rien. Bon, t'arrêtes de dire des conneries, viens, on remonte dans mon 4x4, c'est mieux. Ok, alors. Hey, mets ta ceinture, Dédé. C'est quoi, la ceinture? Bah, tu frappes. Accroche-toi. Mais dis donc, il est bien, ton quad-quad. Mets-moi ça, comment il roule bien. On dirait un camion, mais en plus petit, en fait. Si tu veux aller à la tour de guet, le plus simple, c'est à droite. Hein. Bah, je sais où je vais, t'inquiète. Regarde-moi ça, comme ça tient bien, on dirait qu'il y a des ventouses sous les pneus. C'est incroyable, c'est ça qu'il me faudrait, parce que ça me changerait du camion et puis de la charrue avec les bœufs. Parce que t'as encore une charrue avec les bœufs, toi? Bah, comment tu crois que j'arrive à sortir le camion quand je le plante? Oh non, mon Dieu. Alors apparemment, le jeu est foutu de manière à ce qu'on puisse bien identifier qu'on est en train de faire souffrir la mécanique. Et là, je pense que je vais rester planté comme une merde. Faut pas que je reste au milieu. Oui, vieux truc de vieux, faut aller de là où c'est dur. Comme de la terre séchée. Oh, il est où ce putain de tour de guet, nom de Dieu? Tu la vois pas, elle est pas assez grosse. Oh, toi, tu vas pas en rajouter, là. C'est beau, quand même. Je t'ai dit que j'avais le vertige. Ouais, je crois bien que je l'ai vu dans tes streams. Bon, maintenant, on va au camion. Bah, allez. Allez, vas-y, voilà, c'est moi qui vais te faire voir comment c'est qu'on conduit par chez nous. C'est bon, t'as accroché, t'as mis ta... C'est quoi comment t'as dit tout à l'heure? Ceinture. Oh, pff, y en a pas de toute façon dans ce camion. Oh putain, chaque fois que je démarre, j'oublie d'enlever le frein à main. De Dieu. T'as dit que tu voulais jouer à la radio? Bah, on va d'abord ramasser les planches parce qu'il va falloir les monter dans le camion. Hein. Et puis de toute façon, les boutons, ils ont été à moitié arrachés, il y en a donc la moitié sur ton autoradio, là, comment je change de station. À la taille, je vais te faire voir. Je me gare, je te fais voir. Alors, on est censé retourner au point de départ. Non, vers le pont. Il est où ce pont? Faudrait qu'on regarde sur une carte. Bon, j'ai pas la carte, hein, j'ai pas le GPS tout ça. Attends, je regarde dans mon smartphone. On y est au feeling? Regarde la barrière. Dédé? Non, Dédé, Dédé. C'est un signe facture, ça. Ça a bardé. Tu sais où tu vas? Oui, je sais où je vais. Tu vas aller au pont qui est cassé de simuler. Il est là-bas au bout à gauche. Oh de Dieu que c'est dragon, je vous le dis. On entend bien la musique, dis donc. Bah ouais, mais ça change ton truc de bouseux là. T'es sûr que tu sais où tu vas? Oui, le gars. Tu vois les traces de loup? C'est moi quand je suis passé la dernière fois. Là à gauche, faut pas y aller, c'est pas bien. Ouais. Je vais laver un peu les pneus pour prendre de l'élan. Oh de Dieu, à chaque fois ça part en vrille sur ça. Mais dis donc, t'es super entraîné en fait, tu fais pas que start-up de vol navet.
Ah bah non, 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 on s'occupe des animaux, on fait de la livraison. Qu'est-ce que je fais également? Je fais restauration à emporter. Je répare la plomberie. Des fois, il y a des dames, elles sont toutes seules, ça fait longtemps qu'elles n'ont pas vu de mari. Bah, je peux arriver pour aider, donner un coup de main. Hein. Tout le temps, le service, la salviabilité de la start-up de Vaulnavelbas, quoi. Ouais, c'est intéressant, disons. Et tu fais souvent ça? Alors là, t'as le pont, tu vois. Mais je crois que t'as pas fait l'émission dans l'ordre qu'il faut. Donc du coup, tu vois ce qu'on a appris là, bah, on peut se le mettre sur le béret. Je crois qu'il faut aller à la ville. On va regarder ton GPS, fais voir. Chercher des trucs qui manquent, parce que je crois qu'il manque les planches en fer. Oui, parce que ça, c'est les planches en bois d'arbre. Mais il faut des planches en bois de métal, moi, je crois bien. Oui, comme ça sera bien bon, hein, je dis. De Dieu! Ah, ça, je vais me faire rigoler, moi. Ouais, je vais super me faire rigoler. Je sais plus où c'est qu'on doit partir. Peut-être par là-bas, quoi. Et donc, ce nom machin, ça vous fait visiter la région de Volnavelo. Volnavelo-Bas. Uriage-les-Bains. Vizille. Et peut-être si vous êtes sage, on ira au Bourdoisin. Oui, Bourdoisin, c'est un autre accent. Je les aime pas, là. Alors, le problème, c'est qu'on a amené les planches de métal, mais maintenant, il faut qu'on retourne chercher les planches de bois. Et ça, c'est pas cool. Faute de Dieu. Faute de Dieu. Vous savez ce qui se passe? J'arrive plus à conduire le doigt. C'est normal, il me faut mon truc. Vite, attends, 2 secondes de frein. Hop. Pendant qu'il regarde pas, lui. Hop là. Ou qu'il est le godet. Eh, mais je bosse, moi, je bosse. Ça va aller mieux. Il a dormi longtemps, moi. Ah non, pas longtemps. J'ai eu le temps de quasiment terminer tout le pont, moi, tout seul, sans me tromper, quoi. Qu'est-ce que c'est ça, là-bas? Là, je sais pas, là-bas. Je sais pas ce que ça fait. Ah, bon, moi non plus, j'y sais rien. Attention, touche pas, là, comme ça. Les marches arrière, c'est ce qui est le plus fourbe sur ces engins. T'as vu comme que j'ai été vite? Il y a le soleil qui se couche là déjà. Je vais pouvoir redormir, nom de Dieu. Ah bah non, moi je vais pas dormir. Je vais prendre le volant un peu, ça me changera, ça me dira pas réveillé. Bon allez Dédé. Merci pour le petit tour. Je te laisse là. Bah, c'était un plaisir, hein, mais tu fais gaffe à mon camion quand même. Oui, compte sur moi, il n'y a pas de souci. On se revoit bientôt. C'est sûr, tu sais où c'est que j'habite. Hein. Là, il faut que j'aille m'occuper des lapins. Et puis de la germaine un petit peu aussi. Allez, à bientôt. Bah oui, à bientôt. Sacré délai. Alors, comment qu'ils se conduisent, Bahut, fais voir. Oula, il y a du mou, il y a de l'inertie. Alors, toujours, en fait, tiens, ça, hein, c'est mode simulateur, on va dire. Oui, simulateur de boue. Le truc, on abuse d'ailleurs, parce que vous remarquerez que sur les routes Benoît-Vallée, vos véhicules ont tendance à glisser à peu près pareil que sur le pas que vous prenez. Et du coup, c'est super bizarre. Putain, non, mais Dédé, il le passe. Pourquoi moi, je le passe pas? Ah! Dieu. Lui, de Dieu, c'est du point, quoi. C'est une ponctuation. C'est comme le Kong dans le Midi. Tu sais que t'es des Alpes quand tu fous des noms de Dieu partout. Oh, Dieu. Alors là il m'a fait voir, faut prendre de l'élan à fond et ça passe. De toute façon c'est du bois, ça flotte si je coule. Hop là, voilà. Et donc le jeu, bah, il est marrant parce qu'il est super long. Donc les gens qui s'intéressent de faire du trial avec des gros véhicules, ça pourrait être marrant. Maintenant, si c'est pas votre tasse de thé, là, les news. Non, je vais pas écouter les news, je vais changer de station.
Ça ira bien ça, ça changera. C'est un shmup. Et donc je disais, bah, les gens qui sont pas trop intéressés par ce genre de trip, oui, vont gravement s'emmerder. Ça n'empêche pas que le jeu est relativement bien foutu, c'est très joli, quand on fout tous les détails à fond. Là, je vous avouerai quand même, le jeu est en train de tourner sur une base de luxe, comme on dit. Donc ça peut être joli, hein, forcément. Et encore, vous n'avez pas le stream en QHD. Mais voilà. On va se mettre un petit point de repère parce que je sens qu'on n'est pas arrivé là-bas. Alors admettons, on passe le pont, on va à gauche, et après on va à droite, et après on va peut-être essayer à gauche. Gauche, droite, gauche. Vous me l'achetez? On y va. En plus j'ai encore des planches, si je sais pas quoi manger que je me perds. Aïe, aïe, aïe. Plus que des zombies. Gauche, c'est maintenant. Et ça, c'est le conduit trolley. Oh, purée de bon sang, de bordel de. Arrête-toi. Qu'est-ce qui se passe ici? Bah, on prévient. Alors, un autre truc qu'il faut savoir sur le jeu, bah, c'est que la gestion des dégâts est très poussée aussi. C'est-à-dire que, mine de rien, plus vous passez dans des endroits où il y a des embûches, vous-même vous accrochez simplement votre véhicule, et bien tout ça, ça vous est facturé, les amis. Il va falloir faire d'autant plus de missions en rab pour pouvoir faire les réparations de ce que vous avez pété. Evie. Bon, faut que j'essaie de me trouver une prochaine à gauche. Ce serait sympa. Parce que là, je m'écarte de l'endroit où je voulais aller. Et là, je le sens pas, mais on va y aller quand même. Ah 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 ah. L'amour du risque. D'aider Monsieur K. Les conducteurs picoleurs. Oh, ça devrait passer là, ça devrait passer là, ça devrait passer là, ça devrait passer là. Oui, en insistant, ça passe toujours. Il y a des moments où ça passe plus. Faut pas non plus rêver. Où je suis sur la carte, bordel de. Alors, j'ai un chemin à gauche. Moi, il me plaît bien le chemin à gauche. Le problème, c'est que j'y vois Nib. Alors, à droite, je pourrais prendre cette tour de guet qui me ferait un affichage de la map. Mais j'ai la flemme. Et je suis prétentieux, donc on va aller à gauche. Oui, il y a le passage d'ailleurs à gauche. Vous en voyez un à vous. Qu'est-ce que c'est gras ici, les gars? Vous devriez faire quelque chose avec vos canalisations d'égout. Ah putain, je me suis planté! Ah! Ah, monsieur qui est planté, c'est l'horreur! Treuil magique, vite! Top! Oh, con d'arbre qui est trop loin! Putain, j'ai pas un seul arbre où m'accrocher! Je suis en train de m'enfoncer. Je vais jamais ressortir de là, les amis. Regardez-moi cet arbre, il est pas loin. Hein. Bah, il est juste assez loin pour que j'y arrive pas. Que dalle. Je suis arrivé à me planter dans le seul endroit où j'ai rien pour m'arrimer. Mais comment je suis la tristitude, quoi. Oh. Eh oh, la maison. Venez m'aider. Bon, on se retrouve un peu plus loin, je pense. Rebonjour les amis, et oui c'est encore moi, vous avez demandé ce qui m'est arrivé après que je me sois planté dans la gadoue avec le camion en pleine nuit. Eh ben, j'ai foutu le feu, je me suis barré dans les bois en jetant mes habits. Oui, ça va être compliqué en fait, donc il faut aller chez Doline aujourd'hui. C'est son stream spécial anniversaire. Et oui, maintenant c'est une vieille quoi. Normalement on dit pas ça des filles, mais j'en profite qu'elle peut pas m'entendre dans le retour. Et du coup, elle va nous accompagner tout le long. Mais faut que je fasse vite parce qu'ils vont tout bouffer, je suis sûr. Mais là, c'est pas ailleurs.
Parce que c'est des morphalous dans sa commune. Alors j'ai un 6000 GPS hein, pour m'aider. On va y arriver. J'arrive, devine, garde-moi au moins le dessert, mon de Dieu. Ah, c'est mieux que l'autoradio, ça. Putain de tronc d'arbre, tu viens m'emmerder là. Pourquoi t'es là? Moi je te voulais pas. Sale tronc d'arbre, je vais repasser et te rouler dessus. Comment ça, c'est pas les bonnes paroles? Mais si. Aïe, c'est gras là, mais qu'est-ce que c'est gras? Attention le. Alors je sais pas si ça se fait vraiment d'arriver en camion à un anniversaire, mais je vais quand même le tenter. Et je vais livrer le pont. Je sais pas ce que je trimballe du coup avec ma remorque, mais je suis super fier. Oui, parce que jusque maintenant, j'avais jamais eu de remorque dans le jeu. J'étais jamais arrivé à la trouver ou à l'attacher. Ou à... Il y avait tout le temps un problème. Deline, quand tu vas me voir arriver avec tous ces cadeaux, oui, des poutres en acier, des bouts de bois et une caisse dans laquelle il y a une surprise. Je dirais pas ce que c'est. Tu vas halluciner quoi. J'arrive, Doline! J'arrive! Ça va bien se passer! Putain de gadou de merde! Bon, alors, il y en a qui a payé ses graines de betterave pour avoir mon truc en plus. Troy. On n'est pas arrivé à ce Doline versaire, je vous le dis. Hop. Bah, pas l'air très costaud, cet arbre, mais bon. Allez, vous voyez mieux dans le coin fait, non. Non, celui-là non. La chevaucia. Oh. C'est parti, mais j'y crois pas du tout. Mon truc en plus. L'arbre, il a pas fait un pli. Mon truc en plus. Le retour d'espoir, le retour d'espoir, c'est maintenant. Oui, en live. En live sur The Big Game Husky TV et Doline TV. En simultané. C'est pas, je sais pas si vous vous rendez compte de la performance. Rien ça fouette le sang, dit-elle. Elle me dit, fais comme les autres garçons, va taper dans un ballon, tu deviendras populaire. Elle me dit, qu'est-ce que tu veux internet, ça va pas bien dans ta tête, regarde le temps que tu perds. Elle me dit, pourquoi tu te plains tout le temps, on dirait que t'as 8 ans, c'est pas comme ça que tu vas plaire. Elle me dit, à jour je ne serai plus là, et c'est quand elle me dit ça, qu'elle me dit un truc que j'aime. J'arrive, Doline, j'arrive. Le temps de me désembourber. Oh, bordel. C'est bon, on y est presque. Plus que 700 bornes. Gardez-moi du dessert, bordel. Ils vont tout bouffer, je suis sûr qu'ils vont tout bouffer. Treuil. Bonjour, mon nom c'est Troy Mettler. Mais sûrement vous m'avez déjà vu dans Embourbement immédiat. Le film à sensation qui a fait pleurer. Ah, il n'y a pas le moindre truc pour s'accrocher, bande de cons. Je fais comment, moi? Faut que quelqu'un appelle Dodo pour lui dire que je pourrais pas venir. Ah, c'est foutu, je suis embourbé pour de bon, là. Je me suis vraiment fait ken. Attends, regardez-moi ça. Il n'y a pas un pet d'arbre. La lune, je peux pas m'accrocher dessus, non.
Le rocher, que dalle, peau de balle! Je vais faire une déprime, je vais faire un nervous breakdown, je vais finir à pied. Je veux du gâteau de l'anniversaire. Je sais plus comment allumer mes phares. Ça y est, j'aurais dû le faire avant, mais. J'arrive pas à me désembourber. Doline vient me chercher. Je suis tout embourbé. Je vais pas pouvoir camionner jusqu'au coin des betteraves. Jusqu'au coin des betteraves. Alors on va se faire un petit stage d'exploration des menus quand même, soyons sympas. Donc j'ai mon profil, regardez-moi, comme je suis beau, je suis le joueur masqué. Oui, je suis The Mask. J'ai mes différents contrats que j'ai remplis avec succès d'ailleurs et sans en chier. J'ai les différentes tâches que je pourrais faire. Hein, j'avais pas. Tiens, le pylône électrique se répare donc. Apparemment, on va falloir réparer tout ce qu'il y a sur la map. Ça, c'est assez marrant. Du coup, ça peut maintenir une occupation certaine. Il y a les défis pour ceux qui aiment collectionner les médailles, et les médailles, ben elles sont là. Ah, j'ai déjà. Non, c'est étonnant, je l'ai pas eu. Avec toutes les roues cassées, faut le faire ça. Ok, dans notre autre menu qui est là, on a donc notre map avec les différents objectifs. Et mine de rien, je crois qu'il y en a un paquet. Ok, donc j'ai une mission là, une mission, là c'est où l'autre? D'accord. D'accord. On va jeter un œil au garage. Ok. Ok, j'ai 8 800 $ du Codex. Et je vais m'empresser d'aller les consommer chez le concessionnaire du coin. Et tout est hors de prix. Mais on va regarder quand même les camions du coup. On va rigoler parce qu'il y en a qui doivent avoir une tronche assez marrante. Alors, j'imagine que dans la tête des développeurs, enfin de l'éditeur surtout, ça a dû faire jding. Non, pas comme ça. Jding. Parce qu'ils ont dû se dire, tu vois, quand tu mets un menu comme ça, moi, ça me permet d'imaginer ce mot en trois lettres dans ma tête. DLC. Et je pense que, bah, il faudra pas s'étonner si vous avez des DLC qui suivent. Ouais, il faudrait une 4L, ce serait génial. Une 4L ou une Dodge, ça passe de partout dans la Yadou, hein, les gars. Contrairement à ce que vous imaginez. Parce que du coup, il y a un énorme couple dessus. Et je vous garantis que, alors ça c'est du vécu, dans le Jura, dans les chemins embourbés, tous les kékés en 4x4 qui étaient coincés, c'était un ravissement de passer à côté avec une méhari qui flottait carrément comme une éphémère sur la gadoue. Ça fait un paquet de trucs. Hein. Les fans de camions vont être aux anges, y a pas à dire. Customisation, j'ose pas. Vous connaissez mon amour pour la customisation, on peut tout customiser, le treuil, le moteur, le châssis. Et le snorkel! C'est quoi le snorkel? Oui, je connais rien en mécanique, quoi. Ah, c'est le déportement du pot d'échappement en partie haute pour pouvoir passer les guets qui sont plus hauts que d'habitude. Cette émission aurait été totalement friendly aujourd'hui, je suis très fier. J'étais obligé de la caler celle-là. Comment je sors, mec? Non, parce que moi, c'est bon, j'ai fini. Lucie, elle va avoir la tronche que je viens de faire sur la bagnole. Je vais me faire démonter, quoi. Parce qu'elle s'en sert aussi, hein. Elle est très possessive. C'est vrai que vous avez jamais rencontré ma Lucie. Vous avez de la chance, en fait. Comment décrire ma Lucie?
Vous imaginez la finesse d'une ballerine à 220 kg, alliée avec le pelage soyeux d'un ours. Oui, c'est ma Lucie. Mais elle est super gentille et elle fait super bien bouffer.